Oh oui, l'équipe, et bienvenue! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de cartes Marvel Caillou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou qu'elle va bien se dérouler. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, si je puis me permettre. J'ai reçu ça, en fait, techniquement, je ne l'ai même pas reçu parce que en fait, ça a été déposé sur les boîtes aux lettres de chez moi sans m'avoir laissé un petit message, sans rien du tout. C'est con parce que j'attendais ça. Bah ça fait un moment que j'attends ça, et il est vrai que hier je ne suis pas descendu ni sorti de chez moi, donc du coup ça fait peut-être un jour que c'est là, ou deux peut-être du coup même, sans que j'aie été prévenu, parce que El Famoso Livreur ne m'a pas appelé. Il aurait pu m'appeler, ça aurait été super cool, j'aurais répondu, c'est promis, I promise you. Mais non, le week-end dernier c'était un week-end exceptionnel, j'ai fait déballer des trucs à Lorette, parce que ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et j'ai été bossé par là-bas, donc du coup c'était l'occasion de célébrer des retrouvailles. Je lui ai fait déballer à une display de chez Thanos. En début de cette semaine-là, j'ai vu Déborah, avec qui on a fait du déballage de display. Et je vous montrerai un peu les résultats de ce qu'on a déballé ensemble en plein resto sur le Vieux-Port et tout. Le jour où il y avait Macron qui est censé être descendu à Marseille, donc ben, fin juin, quoi. Et là, du coup, donc ce matin, donc on a reçu ça. Donc c'est une tuerie. Vous voyez la display, rien que la display, en fait, vous voyez comment elle est. Elle brille et tout. C'est incroyable. Il y a des cartes de dingue à aller chercher. Il y a des cartes de ce type-là à aller chercher. Vous voyez les CR là. Ça, celle de Spider-Man par exemple, c'est des CR Rainbow. Elles sont magnifiques. Bon, évidemment, après, on a des UR aussi à aller chercher. Le taux de drop, je ne vais pas pouvoir vous le donner parce que on me l'a dit, mais je ne veux pas vous raconter de bêtises et de tête, je ne m'en souviens plus. Je crois que dans ces paquets, par contre, il y a une carte de moins, je pense, hein, que c'est ce qu'il doit y avoir indiqué ici. Il y a 5 cartes par paquet, mais il y a 20 paquets. J'ai reçu plusieurs displays, mais celle-ci, c'est celle qui est le plus en mauvais état. Donc c'est celle que je sacrifie. Pour moi, il va y avoir des trucs pour vous d'ici la fin de l'année. Je vous réserve, j'espère, des surprises qui vous feront plaisir et des trucs super sympas à venir chercher sur Twitch, peut-être sur Whatnot. On verra. Ou les autres, là. L'ancien Beats, là, c'est Vogt, etc. etc. Donc, j'espère que vous serez présents au rendez-vous, mais d'ici là, on aura augmenté encore un peu la commu, etc. etc. Donc, on voit bien que c'est estampillé de chez Caillou. Ici, c'est estampillé Marvel et non pas Disney. On voit bien que ce sont donc des box qui sont différentes. On va essayer de s'ouvrir ça. J'allais dire, même que la boîte est abîmée le plus proprement possible. Oh putain. Le plus proprement possible. Mais ça sent bon en plus, cette merde. Ça sent super bon. Ouais, elle a pris un coup, hein, la boîte. La boîte a pris un coup, les cartes non. Donc, du coup, à la limite, on va se dire qu'on s'en fout un peu. Tant que c'est, hop là, la boîte qui a morflé, elle est là pour ça. Alors évidemment, c'est un peu con parce que j'aimerais bien avoir quelques boîtes qui arrivent en bon état, please. Mais voilà, on va pas se plaindre, ça arrive de chez les Chinois, donc c'est peut-être un peu compliqué. Et donc, quand c'est ouvert, hop là, tadam, ça donne ça avec le Stream Deck que vous voyez ici et le petit ventilo qu'il y a juste là parce qu'il fait hyper chaud. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs de ventilo, c'est peut-être pour ça que vous entendez un souffle à l'intérieur du micro. On va juste compter le nombre de boosters pour être certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est good. La display est magnifique. Même qu'elle est un peu abîmée, je vais la garder, malgré le fait plutôt, pardon, qu'elle soit abîmée, je vais la garder parce que ben, au-delà du fait qu'elle soit belle, bon, vous savez très bien, les displays, ça vaut toujours le coup de les garder pour ranger les cartes que vous avez en plus. Ça tue. Je me rappelle plus, c'est quoi? C'est Y. Oh là, ça saoule. Il y aurait Miss Deb, elle vous l'aurait dit directement, mais je ne me souviens plus, donc je ne vais pas vous inventer un truc pour rien. J'ai aucune idée de si on fait ça en un coup ou en deux coups, du coup, parce qu'il y a 10 boosters.
10 boosters par côté. Donc on va voir, on va se déballer les trucs en dilettante, tranquille ou bilou. Histoire d'être sûr. Hop là, ça veut pas venir. Et là, c'est venu. Donc là, on n'a pas le même, la même texture de papier. Le papier du booster, il est un tout petit peu... Il est plus fin. Il est beaucoup plus fin. Donc ça change de ce qu'on a déballé précédemment de chez Caillou. Je jette juste un œil à voir où est... Alors, je me spoil pas, je regarde juste où sont les... Ah bah c'est déjà rangé dans le bon ordre, j'ai l'impression, parce que les SR, elles sont au fond. Normalement, il doit y avoir des cartes ici qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos, parce qu'en fait, là, c'est une série normale, donc il va y avoir des first editions de partout. Effectivement, tout ça, on l'a déjà vu. Celui-là, on l'a pas déjà vu. Je fais une ouverture de nuit. Je fais de temps en temps des ouvertures de nuit, parce que pour moi, ça me change... Bah déjà, ça change mes soirées, donc c'est plutôt cool. Et je fais une ouverture de nuit, parce que pour vous, en plus, ça donne une profondeur différente à la vidéo, parce que la luminosité, ben, elle est forcément complètement différente, parce que ben là en fait il y a une pénombre, c'est 22h, donc là c'est la pénombre, donc on est bien. Let's go. Celle là on l'avait pas déjà vue, celle là on l'a déjà vue, celle là oh, ah, j'aime bien le pattern. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les SR à part, comme ça moi je les livrerai après, on gagne du temps pour la vidéo. Et derrière, oh! Et ben on a donc eu Gamora et Peter Quill. Je préfère la carte, le pattern du fond de Gamora, qui est beaucoup plus sympathique. On continue tranquillou. Est-ce que ça s'ouvre facilement ou pas? Oui, ça s'ouvre. Non. En fait, c'est oui, ça s'ouvre. Non, pas facilement. On a vu, hein, c'est Thanos qu'on a devant. Ouais, on a vu, hein, toutes ces cartes, on les a déjà vues du coup. C'est pas grave, parce qu'en fait, là, on va vraiment aller chercher les bangers absolus. Ouais, vous voyez, celle-ci, on l'a pareil. On a déjà vu, là, pareil, on a déjà vu. Tout ça, on les a tirés dans les displays Thanos réédition, où il y a des masterclass de fou à aller chercher, qu'on a eu d'ailleurs. On va avoir une SR avec Iron Man. Waouh. Très très belle. Et on va avoir derrière au moins une SSR avec Thor. Oh, une SGR de Thor. Nickel. J'ai complètement oublié de préparer les sleeves. Hop là, les sleeves qui sont quand même toujours, vous le savez, j'oublie de les préparer, mais elles sont quand même toujours à portée de main. Donc je sleeve ça instantanément, comme ça au moins ça évite de s'abîmer. Et c'est préférable. Elle est magnifique. Très content. Let's go. Très content parce que je n'ai pas déjà eu de carte SGR de Thor. Ça ne semble pas français. Je n'ai pas déjà eu. Ouais. C'est pas grave. Spider-Gwen, on l'a déjà vu. On l'a déjà eu, mais pas en first edition. Iron Machin, War Machin, on l'a déjà eu. On l'a déjà vu. Qu'est-ce qui se passe, l'ordi? Parce qu'en fait, j'ai les deux panneaux LED plus la télé d'allumer volontairement. Enfin, c'est mon écran secondaire qui est allumé, comme je fais en pleine journée, en fait, pour avoir un panneau blanc assez grand, assez vaste, comme ça, un 32 pouces. C'est pas mal. C'est une ancienne téloche, en fait. On a Black Panther. On va avoir... J'adore le pattern, hein, qu'il y a derrière. Là, c'est vraiment joli, quoi, en fait. Captain America. Et derrière, on va avoir une SR... de Captain Marvel, qu'on a déjà vu. Celle-ci, par contre, en revanche, on l'a pas déjà vu. On l'a pas, je crois pas l'avoir déjà eu. Vu, j'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Ça, c'est certain. Mais je ne l'ai pas déjà eu. Je crois qu'on va faire deux vidéos, du coup, ça sera plus simple. C'est pas pour forcer la vidéo, mais putain, ça fait déjà 9 minutes que je suis là. J'ai même pas fait la moitié du truc. Bon plan, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de mélange ou quoi que ce soit. On va avoir en R, ici. En SR, on va avoir Mantis avec un pattern. Est-ce qu'on arrive à choper la gueule du pattern? À peine, il est très léger. Et derrière, on va avoir Yondu en SR qui est très très joli. Avec un pattern assez simple dans le fond. Pour l'instant, on n'a eu qu'une SGR. Pas de SSR, pas d'UR, pas de CR, pas d'MR.
On va voir hein, si ça tombe, on va voir si cette série est généreuse. Si elle est généreuse, ça sera super, parce qu'en fait, il y a d'autres displays de cette série qui sont rentrés justement aujourd'hui pour vous. Parce qu'à la fin de l'année, on fera des box breaks sur Twitch. On fera de cette série, justement. Oh, celui-là, on ne l'a pas vu. Et je ne l'ai pas eu, déjà. On fera des box breaks sur Twitch, ça, on l'a déjà vu. Et on fera aussi, je pense, on ira faire un tour sur Whatnot pour les cartes gradées. Mais ça, je vous poserai la question quand on aura commencé à faire les box breaks sur Twitch, qui a commencé déjà, d'ailleurs, à payer, hein, parce que là, il y a la, je vais dire, la YouTube monnaie. C'est pas la YouTube monnaie, c'est la Twitch monnaie a commencé déjà à tomber. Le petit Rocket Raccoon avec son petit biceps qui est ici. Oh, waouh! Ah, j'aime beaucoup la... Hop là, attends, on va appuyer. Hop là, on voit un peu le pattern. Let's go. Et derrière, on va avoir... Ah, c'est Ultron. Non, c'est Drax en SSR. Très bien. Let's go, Drax en SSR. Que je n'ai pas eu auparavant. On n'a pas eu de carte de Drax en SSR ou en SGR, etc. etc. Et du coup, je vous dis, ouais, parce qu'en fait, je suis en train de financer des trucs exprès parce qu'en fait, j'ai envie de faire grandir cette commu et j'ai vu que les box breaks, c'était des trucs que les gens appréciaient beaucoup. Donc, bon, c'est plutôt cool, quoi. Et War Machine, Peter Quill, Vision, on va avoir l'archer, là, je sais plus comment il s'appelle, Hawkeye. On a vu derrière qu'on avait El Famoso, putain, les balles. Hein. On l'a déjà eu, on l'a déjà vu. Sur la série réédition de Thanos, mais là on l'a en première édition. Et derrière, on va avoir Rocket Raccoon en SR qui est... Il est craqué de fou, il est trop mignon. Ouais, j'ai vu depuis quelques temps, moi j'ai acheté une fois il y a 2 ans je crois en box break. Je n'étais pas forcément super fan parce que je préfère ouvrir moi mes propres paquets. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien passer du temps sur les lives, tout ça et tout, pour échanger avec les gens qui vont déballer leurs cartes et tout. Et je me dis que ça pourrait être cool de, pour moi en tout cas, de faire ça. Puis ça pourrait me permettre de contribuer à l'avancée de la communauté ici. Et du financement aussi d'une partie de ma collection. D'une partie de ma collection de cailloux. Donc ça n'ira jamais chercher bien cher au prix du booster. Et ça, je suis plutôt. Je me dis que ça peut être vraiment, vraiment cool. On va avoir Groot. Voilà, derrière, on voit bien là. Hop, super. En SR. Et derrière, on va avoir... Ah, SGR, SSR. SSR. Oh, la SSR de Thor. Eh ben génial. Du coup, on a eu la SGR auparavant et la SSR juste après. Et c'est très bien comme ça. Hop là, on va comparer. On va faire le comparatif des deux cartes. C'est sublime. Vraiment, c'est superbe. Je suis très content. Je suis très content. Voilà. Ça le fait. D'autant plus en sachant qu'il va y avoir des entreprises qui vont grader ça bientôt. Alors, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui gradait ça déjà. C'est l'entreprise MTG, donc l'ancienne entreprise qui avait eu de gros déboires. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez eux. Donc, peut-être que nous ferons un test. On verra. Mais je ne suis pas persuadé de la plus-value... que peut apporter cette entreprise en termes de qualité de notation, on verra. Hein. Là, on a déjà vu derrière, on va avoir Drax tout en full circle derrière en SR. Et enfin, on va avoir Gamora qu'on a déjà eu aussi en SR. Là, il va y avoir des paquets de cartes qui vont se faire... et qui vont partir sur Vinted. Je vous recommande, hein, je sais que c'est chiant pour vous et tout, mais allez faire un tour sur Vinted, lâchez votre follow sur Vinted. Quand je lâche du drop, la dernière fois, j'ai un pote, il m'a dit « Putain, Seb et tout, t'as mis beaucoup d'objets non d'un coup sur Internet, sur Vinted. » Je dis « Oui, mon poulet, parce que j'ai pas trop le temps. » Là, du coup, j'ai un peu plus de temps, donc je fais pas mal de photos, tout ça et tout. Et il y a des trucs qui pop très, 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 très régulièrement. C'est très important. Donc, du coup, quand vous êtes abonné, vous pouvez voir les articles qui arrivent sur la page à chaque fois. N'hésitez pas à regarder en plus quand vous faites ça par lot de 5 minimum. Normalement, il y a 30% de remise sur les lots. Donc, comme les cartes, la majorité des cartes, elles sont à moins d'un euro. Enfin, 1 euro. Donc, c'est vraiment pour les vendre à moins d'un euro, quoi, en fait. Donc, pensez-y, ça vaut le coup. On a Peter Quill qu'on a déjà vu. Et derrière, on a du Spider-Man en SR. On a... Oh! Ah, on l'a vu celle-là il n'y a pas longtemps. Putain, je ne me rappelle plus de quelle série je l'ai eu.
Dans une série, dans la série de réédition, en fait. Très très joli. Le Sandman, comme ça, magnifique. Et ensuite, pour la suite et la fin de cette première partie, du coup, hein, je vais le faire en deux parties parce que ça fait quand même 15 minutes qu'on est présent ici. On va avoir Rocket Raccoon qui fait le fou, qui est un peu en colère, on va dire. On va avoir Ant-Man qui fait rien parce que c'est Ant-Man. On va avoir Drax qui est dans une posture badass à mort. On va avoir le petit Rocket Raccoon, toujours avec le petit biceps, qui est trop mignon. On va avoir. Oh! On va avoir Venom. Incroyable. J'adore Venom en plus, vous le savez. Superbe. Et derrière, on va avoir. Oui! Ouais, qui c'est? Thanos? Oh, un sbire de Thanos. Oh, Thanos, let's go! En UR. Oh putain, elle est tellement belle! Et là, les effets que vous voyez, en fait, vous voyez hein, comment c'est foutu, en fait. Elles sont. Oh putain, elle est trop belle! Oh. Et ben, on termine là-dessus pour cette première vidéo. C'est parfait, je suis très content. Donc, du coup, il reste pas mal de trucs à aller chercher hein, de l'autre côté. Putain, elle est trop belle, c'est un truc de fou. Magnifique, c'est une des UR à aller chercher de la série. C'est. Vous le voyez, hop là, je vais vous le montrer tout de suite ici, il est là. C'est fait exprès pour illustrer évidemment ce que vous avez à aller chercher en priorité. La team des bises à plus, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao!